Hello. Camille? Donc, pauvre pour la plupart. Camille? Si. Coucou Camille, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Tu as l'air fatigué. Non, pas du tout, hein. J'étais déjà en place. Ah, super. Je vais lancer sur Facebook. Hein. Si tu me D'accord. donnes une minute. Attends, donne-moi juste une minute. Une seconde. Je Oui. vais brancher mon chargeur. C'est bon pour moi. Donc, ça se présente comment? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tout le monde, qui est là ce soir? Excuse-moi, Sarah, elle a son frère qui se marie à Lille. Et Francine, elle a un examen, donc elle viendra plus tard. C'est pour ça qu'en fait que tu fais sa partie. D'accord. Et, Et toi, tu fais la et partie des Sarah? oui. Exactement, la première partie, mais c'est l'analyse géopolitique du coup. D'accord. Oui. Un petit instant, si tu me permets, hein. Comme si je suis en train d'ouvrir le PowerPoint. Hein. D'accord. Tu vois le partage d'écran? Oui. Je lance le direct, c'est peut-être pour ça que ça s'est coupé. Tu m'entends? Oui, très bien. J'ai lancé le direct, alors j'ai l'impression que le son s'est coupé. Tu vois toujours mon écran? Ou Oui. tu vois quoi toi là? Il n'y a que le chat, les chats et la croix. Ok. Si tu peux juste me faire signe si tu vois apparaître sur Facebook comme ça, moi je peux Attends. reprendre. Oui. On est en direct, hein. Ok.
est en train de partager. On ne cherche pas vite. On peut lancer? C'est à toi, Camille, hein? J'arrête le son. Mm. Hello, Mbote, bonjour, Nangadev. Bonsoir. Bienvenue, Camille. Bienvenue, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous, à notre énième conférence du Tchad. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les génocides du peuple Hereros et des Nama de Namibie sous la colonisation allemande. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, mais nous allons revenir là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les génocides de ces peuples-là, namibiens, et les premiers génocides reconnus ou officiellement qui a été causé dans l'histoire de l'humanité et que dans un contexte où l'Europe lui-même est envahie ou plongée dans un bain de sang, dans des histoires des conquêtes de territoires, l'Empire allemand qui va conquérir le territoire namibien vit lui-même des guerres atroces internes et on voit qu'ils vont déplacer leur barbarie, ils vont déplacer toute la force qui existait de déstabiliser les vies humaines, ils vont ramener ça en Afrique. Nous allons suivre les documentaires qui vont nous introduire à ces sujets et tout de suite nous allons revenir pour faire la présentation de ce qu'est sur le Tchad et de ce membre effectif. On passe par le documentaire? Oui, comme ça, le temps que les gens ils s'y connectent, il y a déjà documentaires. Comme ça, on fait la présentation quand il y aura au moins un bon nombre de gens qui seront connectés. Parfait. Je lance tout de suite alors. D'accord. Allô? Je suis en train de lancer la vidéo. Hein. D'accord. Voici le documentaire. When you came here, we had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. Tu me parles? Non, pas du tout. Parce que là... When you came here,
We had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. En 1829, la Société des missions du Rhin envoie ses premiers missionnaires en Afrique australe. Ceux-ci livrent leurs impressions sous forme de photos et de journaux qui sont autant de témoignages précieux. Ils créent des hameaux qu'ils nomment Bethanion, Neubarmen et Wuppertal. Objectif déclaré, apporter les lumières de la civilisation sur le continent noir. Mais les premiers habitants sont sceptiques face à ces religieux. When you came here, we had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. Les colons blancs attisent les conflits. Ils distribuent des armes et de l'eau de vie, font des promesses tantôt à un peuple, tantôt à un autre. Les terres qu'ils accaparent forment le socle des possessions actuelles des blancs en Namibie. Les colons allemands affluent de plus belle dans le sud-ouest africain et continuent de semer la zizanie entre les ethnies locales pour s'approprier des terres. Ils s'immiscent dans les conflits des uns avec les autres. C'est ainsi qu'ils concluent un accord avec le chef des Hereros. En échange de leur protection contre les Namas, ils obtiennent des terres et du bétail. En 1890, le chef des Namas, Hendrik Witboy, écrit à son homologue Herero, Samuel Maharé. I learned that you have given yourself into German protection. This dry land is only known by two names, Herero land and Nama land. It is an autonomous reality. No other captain or leader has any right to force his will. But you, dear captain, you have now accepted another rule and have handed yourself over to a human supremacy for protection. But my dear captain, land and nous aurions dû hériter de tout ce qu'ils avaient. Which today should have been our inheritance. And whose ces spoliations ont plongé notre peuple dans une pauvreté qui dure depuis des générations. To generational poverty. Depuis plus d'un siècle. Les Allemands s'approprient les pâturages, s'installent sur les autres terres. La situation s'envenime encore lorsqu'un marchand de tabac venu de Brême arrive dans la baie d'Angra Pequeña en 1883. Il espère trouver du cuivre et des minerais dans l'arrière-pays et les revendre à bon prix en Europe. Adolf Lüderitz est précédé d'une réputation douteuse. Ses plantations de tabac au Mexique ont fait faillite et il n'a pas réussi à développer ses affaires en Afrique de l'Ouest. Il entreprend de négocier avec les Namas. Ils conviennent oralement d'une transaction portant sur des milles anglais, mais le contrat de vente évoque des milles géographiques d'Allemagne, ce qui multiplie par 20 la surface accordée. Les vastes terres accumulées par Adolf Lüderitz sont donc le fruit d'une escroquerie. L'empereur Guillaume Ier lui accorde sa protection et le 7 août 1884, le drapeau du Reich est officiellement hissé sur la côte namibienne, Angra Pequeña devenant la baie de Lüderitz. Ce n'est que le début. Très vite, le territoire sous protection couvre une surface équivalent à une fois et demie la taille de l'Empire allemand. En Allemagne, comme ailleurs en Europe, la croissance démographique rapide augmente la demande de denrées alimentaires. Le continent déborde et se reporte de plus en plus sur ses possessions outre-mer. Jeune empereur
mouvement est prêt à se jeter dans la mêlée, attiré par les matières premières, la main-d'œuvre bon marché et les terres pour ses sujets. Les fermes, la Out of Africa, l'exotisme, les grands espaces et l'aventure. Ici, il y a de la place pour les colons et pour leurs ambitions. C'est le début d'une ruée des pays européens vers l'Afrique. Otto von Bismarck se pose en médiateur et convoque une conférence à Berlin. Fin 1884, les États européens rivaux se réunissent pour régler entre eux le partage de l'Afrique. L'occasion a rêvé pour l'Allemagne de se faire une place au soleil. Non, je ne vais pas essayer. Mais je ne vais pas essayer maintenant parce que j'ai peur de prendre des risques. This contract of Berlin hurt me for a very long time. My whole lesson, we were told the names of the contract partners of Berlin. Their extraordinary skills, their diplomatic aptness, the motivation behind everyone, the pacification of Africa, the good deeds of civilization of Africa, the courage of the explorers, the self-forgetting humanism. But nobody, absolutely nobody, pointed to the insult, to the dishonor that followed us everywhere. Grande-Bretagne, France, Italie, Portugal, la plupart des États européens se sont déjà servis en Afrique. When you came here, we had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. Les spoliations et les humiliations imposées par les troupes coloniales finissent par coaliser les peuples de Namibie. Les Herero révoquent leur accord avec les Allemands et la résistance s'organise. Le chef Samuel Maharero écrit: Our people were robbed and mocked by German merchants. Their cattle was taken away with force. They were flogged and maltreated. Some men were shot like dogs when they refused to give away their women and children. Our chiefs consulted and determined that the war could not be that worse than what we had to go through. La guerre semble inéluctable. Pour les Allemands, c'est la rébellion perfide de sauvages assoiffés de sang. Mais les Herero et les Nama n'ont pas d'autre choix. Samuel Maharero appelle ses hommes à prendre les armes. Let us prefer to die together while fighting, rather than by maltreatment or prison. Le 12 janvier 1904, les premiers coups de feu retentissent. Des bureaux de l'administration allemande, des gares et des commerces sont ravagés. Des fermiers blancs assassinés. Les femmes et les enfants sont épargnés. Le 21 janvier, Samuel Maharero écrit dans une lettre: Batopo obeta nembo efemba, nedikame kobandwa behevanji. Kuja abehatwako omakewa wo. Kuimba, kuja omu ingiritha, omba atiri, omu dhorotwa, omu kwena, nombu, abehe mba kakuna kutuna omaki, amu shiti oshinaho, batwapo eyaneno, kuja apeha munika oshinahi, na wina komokova honge. Opuo, owami. Très vite des renforts, de l'artillerie lourde et 20 000 hommes supplémentaires débarquent à Swakopmund. L'empereur allemand place à leur tête un commandant de sinistre réputation, Lothar von Trotha. Deux peuples, les Herero et les Nama, ont eu l'impudence de se révolter contre les colons qui confisquaient leurs terres. Le général en chef allemand Lothar von Trotha ne le leur pardonnera pas. Very difficult to describe. Il m'est très difficile de vous expliquer ce que je ressens sans perdre mon cadre. Quand on sait que les autorités allemandes de l'époque se sont concertées et ont froidement, j'insiste, froidement et délibérément envoyé un homme qu'elles avaient soigneusement choisi pour accomplir cette mission très particulière. To come and do a specific job.
Lothar von Trotha est arrivé ici. Et il a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, formalisé un projet de génocide. Il a écrit « Je veux que mes troupes effacent une communauté entière de la surface de la Terre. » Le général s'est bâti l'image d'un officier intraitable en Afrique orientale allemande, puis en Chine. Son projet pour la Namibie tient en trois mots. Nettoyer, lyncher, briser. Il déclare « J'exterminerai les... » Milliers de héréros sont rassemblés avec familles et troupeaux au pied du Waterberg. Là, il y a suffisamment d'eau et de nourriture pour tous. Ce sont leurs territoires ancestraux et ils ont bien l'intention de les défendre. L'affrontement qui suit est à... Le 11 août 1904, des dizaines de milliers de héréros sont rassemblés avec familles et troupeaux au pied du Waterberg. Là, il y a suffisamment d'eau et de nourriture pour tous. Ce sont leurs territoires ancestraux et ils ont bien l'intention de les défendre. Puis en Chine. Son projet pour la Namibie tient en trois mots. Le 11 août 1904, des dizaines de milliers de héréros sont rassemblés avec familles et troupeaux au pied du Waterberg. Là, il y a suffisamment d'eau et de nourriture pour tous. Ce sont leurs territoires ancestraux et ils ont bien l'intention de les défendre. L'affrontement qui suit est appelé par les héréros « Bataille d'Oamakari ». Von Trotha donne l'ordre d'exterminer l'ennemi. Les héréros ne sont plus des sujets allemands. Tout homme héréro trouvé à l'intérieur des frontières allemandes sera fusillé, qu'il soit armé ou non, avec ou sans bétail. Le territoire sera interdit aux femmes et aux enfants qui seront renvoyés à leur peuple ou abattus. Voilà ce que j'ai à dire au peuple héréro, moi, le grand général du puissant empereur d'Allemagne. Un appel au génocide. Les héréros ne s'y trompent pas. Samuel Maharero répond. The beginning of the war is not just in this year begun by me, but by the whites. Now I have to kill white people, even if I die. These are my words. I am the chief of the Herero. La vida de Nudeto, siempre mucho premiento. Esa vida de nombre, ay, la vida de negro. Pendant que la presse occidentale se passionne pour le scandale du Congo, non loin de là, dans la colonie allemande du sud-ouest africain, deux peuples, les Herero et les Nama, ont eu l'impudence de se révolter contre les colons qui confisquaient leurs terres. Le général en chef allemand Lothar von Trotha ne le leur pardonnera pas. Le 2 octobre 1904, von Trotha proclame. Dans les frontières allemandes, anthropologie raciale. Le plus célèbre de leurs étudiants, Joseph May, allant au camp des...
concentration où Eugène Fischer et Théodore Mollison les survivants résultat, nos peuples sont devenus. Dans le cas de la Namibie, ce n'est pas seulement qu'on a pillé nos ressources, la population a été exterminée. Ça a profondément marqué notre société. Ces spoliations ont plongé notre peuple dans une pauvreté qui dure depuis des générations. When you came here, we had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. Voilà, voilà, Camille. When you came here, allô, allô, Camille. Allô. Voilà, le documentaire vient de se terminer avec un peu de... De réponse. Avec quelques blocages en plein direct. Voilà. Voilà, voilà, Camille. Ben, on peut continuer, hein? Bien sûr. Sur notre programme. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue encore. Nous sommes au Tchad. Tchad qui est un collectif pour l'histoire africaine décolonisée et démystifiée. Le Tchad est composé de quelques femmes que je vais vous présenter là tout de suite. Nous avons Natou Sakoumbi Pedro, qui est historienne, auteur et... historienne, auteur et CEO d'un centre commercial panafricain au niveau de Bénin. On a Nancy qui est présente avec moi, qui est la présidente de la fondation Elona et la fondatrice du Tchad, qui nous réunit ces soirs et depuis un mois assez régulièrement. Nancy est géopoliticienne, diplômée de l'université de Bruxelles, attends, de Liège, de l'USL en sciences politiques et relations internationales. On a également Francine Moukaya, activiste de droits humains, spécialiste de la santé publique à l'université de Cambridge, si je comprends bien. On a ensuite Sarah Adoua, qui est présidente de AWP juriste. Elle est diplômée en droit à l'université de Nice. On a Eva Mboukou qui est chef d'entreprise spécialisée dans les TIC, technologie de l'information et de la communication, qui vit à London. On a également Anaya Sakoumbi qui est présidente de l'ONG Un Pas Vert, l'entrepreneuriat féminin ou social
Anaya est diplômée en communication sociale et business administration du Leadership Academia. On a également Camille qui, mais voilà, présidente de l'association Afromoja qui vise à vulgariser l'histoire africaine et de sensibiliser sur l'engagement au féminin. Les Tchads, comme je disais, sa mission est de promouvoir l'indépendance intellectuelle des Africains et Africaines. Le but étant d'écrire et surtout de lire l'histoire africaine pour le compte des Africains, par le compte des Africains, et offrir les lectures et analyses de l'Afrique par ses fils et filles. Et notre symbole, c'est la croix Anka, comme vous l'avez remarqué. Notre concept, c'est carte sur table, c'est-à-dire on met tout sur table, on discute et nous échangeons librement, toujours dans l'objectif de promouvoir l'histoire, mais surtout aussi de nous élever tous ensemble en tant que peuple. Notre sujet d'aujourd'hui, comme nous venons de le voir, c'est les génocides de peuples namibiens sous la colonisation allemande. Le sous-thème de notre sujet qui va être animé par Nancy est l'analyse géopolitique de la colonisation allemande et du génocide namibien en 1904. Je vais tout de suite passer la parole à Nancy qui va nous introduire et commencer sa partie qui est le sous-thème de notre sujet. À toi, Nancy. Merci à toi, Camille. Je vais juste lancer... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, très bien. Donc, je vais juste lancer le partage de mon écran. D'accord. C'est quelques secondes, comme ça. Mon écran est bien visible. Voilà. Vous avez mon écran sous les yeux? Oui, Nancy. Est-ce que vous avez mon écran sous les yeux? Oui, oui. Okay. Donc, c'est bien l'approche... L'approche géopolitique de la, okay, de la colonisation. Oui. Parce que je ne vois pas en même temps que vous, malheureusement. Donc, merci beaucoup, Camille, pour la parole. Et merci, en tout cas, à toutes les personnes qui auront l'occasion et qui prendront le temps de suivre cette conférence dédiée au génocide du peuple Herero et du peuple Nama de l'Afrique de l'Ouest, en Namibie plus précisément. Je vais vous faire une petite... analyse, une petite compréhension de ce que représente ce génocide dans une compréhension, dans une lecture qu'on appelle une lecture géopolitique du génocide qui a eu lieu en 1904 en Namibie. Avant toute chose, je vais mettre un peu des notions théoriques sur table pour que la compréhension de ce que je vais dire soit claire et compris par tout citoyen, par le grand public. Donc, la géopolitique, c'est quoi la géopolitique? La géopolitique comprend deux mots, c'est la géographie et la politique. C'est donc l'étude des rapports entre les données naturelles de la géographie et la politique des États. Autrement dit, l'influence des données spatiales qui sous-entend les données géographiques sur le comportement des États sur la scène internationale. Donc, comment les États vont réagir par rapport à la configuration géographique de leur État vis-à-vis de leurs voisins ou sur la scène internationale en général. Dès lors, l'analyse géopolitique va mettre l'accent sur trois aspects géographiques qui seront déterminants sur le comportement des acteurs étatiques. Ces
trois aspects de la géographie sont premièrement l'aspect de la, enfin, la dimension géographique d'un État. Qu'est-ce qu'on entend par dimension géographique? La dimension géographique, je vous donne un exemple simple, c'est quand on fait la différence entre un État-continent ou un micro-État. Et pour illustrer c'est quoi un État-continent et c'est quoi un micro-État, prenons l'exemple de la RDC, la République démocratique du Congo, versus un État voisin de la RDC qui est le Rwanda. Le Rwanda est considéré comme un micro-État par rapport à la RDC qui, elle, est considérée en géopolitique comme un État-continent. Deuxième aspect dans l'étude, l'analyse de la l'analyse géopolitique de la politique étrangère d'un État, on a la configuration géographique qui détermine également comment un acteur va se comporter sur la scène internationale. Et qu'est-ce qu'on entend par l'aspect de la configuration géographique? On entend par là plusieurs notions de géographie, mais je vais synthétiser, notamment il y a le climat, le relief, les montagnes qui font office parfois de défense, qui ont fait office dans le temps de défense de boucliers naturels. Un État comme la Suisse a pu bénéficier de son relief montagneux qui a constitué pour la Suisse comme étant une forteresse. Et la Suisse, grâce à son relief, à sa configuration géographique montagneuse, elle n'a pas souffert d'autant de guerres que des pays comme l'Allemagne, la France et autres qui n'avaient pas ce relief montagneux. C'est ça qu'on comprend par la configuration géographique. C'est très important de mettre ça d'entrée de jeu sur table pour qu'on puisse comprendre la suite. Et dans la configuration géographique, on a aussi le facteur le plus prépondérant des relations internationales qui est la qualité du sol et du sous-sol d'un État, c'est-à-dire si elle regorge ou non des matières premières. Et les matières premières, on sait que les matières premières sont un facteur, le facteur le plus déterminant des conflits mondiaux. Le fait qu'il y ait des inégalités en termes de matières premières fait que des États vont convoiter les richesses de l'État voisin ou de l'État outre-mer, notamment un exemple aussi de la qualité du sous-sol et du sol de la RDC. Pour rester avec cet exemple-là, la RDC est un État-continent, comme on vient de le décrire, qui a un sol et un sous-sol extrêmement riches. Un sol, qu'est-ce qu'on entend par sol? Un sol fertile. C'est qu'un sol fertile permet à un État de subvenir à la sécurité alimentaire de son peuple si ce sol, ce facteur de qualité de sol est évidemment bien exploité par ses dirigeants. Qu'est-ce qu'on entend par qualité du sous-sol? C'est que la RDC est un État dont la configuration géographique est extrêmement riche car son sous-sol regorge de beaucoup de matières premières. Plus de 90% des matières premières connues du monde actuellement se trouvent principalement en République démocratique du Congo. C'est le pays le plus riche au monde en termes de configuration géographique, de la qualité du sol et du sous-sol. Parce que la RDC, encore pour garder cet exemple-là, a la capacité arable, c'est-à-dire des terres fertiles en agriculture, de nourrir tout le continent africain, voire d'autres continents du monde, rien qu'à elle seule. Ce qui suscite évidemment des convoitises des pays voisins et des grandes puissances qui vont se comporter, qui vont considérer la RDC comme un acteur important dans leur politique étrangère. Et si malheureusement l'État qui regorge de ses richesses n'a pas la capacité d'assurer la protection et la défense de son sol et de son sous-sol riche, elle sera la proie des convoitises exogènes. Et en troisième aspect de l'analyse en géopolitique, on a la position géographique des États sur le globe terrestre qui détermine aussi le comportement ou qui influence le comportement des acteurs. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par position géographique? On entend par là que
si un État on détermine, par exemple, une position géographique, le Japon est considéré comme un État insulaire, une île. L'Angleterre également est un État insulaire, alors que l'Allemagne est considérée comme un État enclavé, c'est-à-dire elle est entourée par plusieurs pays et elle n'a pas directement par elle-même accès à la mer. Elle est enclavée, ce qui fait que un État comme l'Allemagne va avoir dans son histoire, quand on fera la lecture de son histoire, elle aura tout, ou la Russie, ce sont des États qui ont toujours été à la recherche d'une expansion pour accéder aux mers chaudes, pour accéder aux mers afin de pouvoir se positionner dans le commerce maritime. Et le Japon, comme je l'ai précisé, un État insulaire, c'est un État où l'Angleterre, un État qui a été dans l'histoire plus ou moins été protégé par les guerres, parce qu'un État insulaire, c'est-à-dire sur une île, a le temps de voir l'ennemi venir, étant donné que l'ennemi n'est pas pour cet État à découvert. L'ennemi est à découvert et non à couvert. Et un autre État qu'on peut aussi citer, c'est la Belgique, qui, grâce à son accès à la mer, a pu s'étendre outre-mer, alors que la politique de neutralité qui lui était imposée par ses garants, ses fondateurs européens, ne lui permettait pas une expansion. Mais grâce à son accès à la mer, elle a pu sortir de ses frontières et aller conquérir outre-mer et devenir une puissance coloniale. Donc, cette position géographique, la position géographique d'un État va influencer, déterminer en grande partie la politique étrangère des États. Dans l'étude de la géopolitique, on considère notamment, et c'est très important de le préciser, l'État est considéré à part entière, l'État, c'est-à-dire pas le président ni le dirigeant de l'État, qui sont des personnes, mais l'État elle-même, le territoire, est considéré comme un organisme vivant dans l'étude géopolitique, et un organisme vivant qui a ses propres besoins vitaux, notamment le besoin de croissance. Et pour croître, l'État doit posséder un espace vital, que les géographes allemands vont au 19e siècle appeler en allemand. Les géographes allemands vont appeler ça, je vais vous mettre le terme ici sur l'écran, comme ça vous pouvez le lire au cas où je prononce mal. Donc, l'espace vital est appelé par les géographes allemands, en tout cas ce concept est appelé Lebensraum, qui veut dire espace vital, et les géographes allemands en tout cas ont conceptualisé cette notion pour permettre d'améliorer la doctrine politique allemande, car l'Allemagne, l'Empire allemand de l'époque, percevait le monde comme hostile et surtout imprévisible, et donc l'Allemagne devait absolument adapter sa doctrine politique, la doctrine politique qui était à l'époque menée par Otto von Bismarck, qui était la ruelle politique, et les Allemands vont adapter cette doctrine et adopter une nouvelle doctrine qui est la doctrine que vous lisez là, de la Weltpolitik. La Weltpolitik se traduit littéralement de l'allemand de politique mondiale, et c'est donc le nom de la doctrine diplomatique que l'Allemagne va adopter à la fin du 19e siècle sous l'impulsion de l'empereur Guillaume II. Cette nouvelle doctrine se veut cette fois-ci plus revendicative, voire plus vindicative, notamment en matière coloniale. Elle vient remplacer en 1890 l'approche précédente, à savoir la rive politique qu'incarnait le chancelier Otto von Bismarck. Et je vais rapidement clôturer avec les aspects théoriques de la compréhension de l'étude, l'analyse, l'approche géopolitique de la scène internationale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de notre conférence, qui est, je le rappelle toujours, le génocide des Namibiens durant la colonisation allemande, il est donc important de mettre ces bases-là théoriques sur place. Donc, je vais terminer avec une dernière notion. C'est une notion que tout le monde connaît, mais je vais quand même la rappeler à titre
informatif. Donc, le terme, la notion de colonisation que vous voyez à l'écran ici. Donc, le colonialisme est une doctrine politique qui préconise ou cherche à justifier l'exploitation d'une colonie, d'un territoire ou d'un État par un État étranger. La politique coloniale des Européens repose sur une idéologie de supériorité raciale qui rassure, en tout cas, qui rassure aux yeux des Européens, à eux-mêmes, que leur conquête territoriale et leur extension outre-mer ont un caractère légitime en partant du fait qu'ils ont adopté une compréhension idéologique de la supériorité de la race blanche. C'est que Camille va détailler dans le deuxième temps de cette conférence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais laisser ça à Camille, le soin de rentrer dans l'approche identitaire de la colonisation. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on y arrive maintenant. Donc, en géopolitique, il faut toujours s'interroger sur qui veut quoi, comment, pourquoi et où. Donc, que veulent les Européens qui viennent déclencher en Afrique et ailleurs dans le monde les mouvements coloniaux, des crises, des conflits et des guerres? Autrement dit, de quel avantage veulent-ils disposer et pourquoi chez nous? Il faut toujours se poser ces questions-là afin de mieux comprendre la démarche coloniale des Européens. Et premièrement, pourquoi le mouvement colonial a eu lieu principalement? Au-delà des besoins de ressources, il y avait cette problématique dès le début du 19e siècle, c'est-à-dire en 1800 exactement, une forte croissance démographique que l'Europe a connue. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de baby boom, mais en 1800, au début, en tout cas du siècle 1800, l'Europe avait connu également un baby boom, c'est-à-dire une croissance démographique, donc une surpopulation de la population européenne en Europe, et ce qui a engendré une augmentation du besoin des denrées alimentaires et ce qui, de facto, augmente les tensions pour les peuples et les pays européens qui n'ont pas assez de terres fertiles ou pas assez de territoires pour justement loger sa population. Ce qui va également, sur le continent européen, déclencher des guerres. La guerre entre la Prusse et la France en 1870, et plusieurs guerres qui vont suivre sont justement inhérents à cette croissance démographique que l'Europe a connue et ce besoin augmentant en denrées alimentaires et en territoire pour justement loger sa population. Et l'Europe va connaître aussi des grandes famines, notamment la grande famine qui a eu lieu en 1840 en Irlande. Et cette grande famine va en tout cas déclencher l'organisation par les Irlandais d'une grande migration vers l'Amérique et vers d'autres territoires, mais notamment comme les Irlandais sont principalement partis vers l'Amérique, donc je cite l'Amérique, mais voilà, la famine, la forte croissance, les besoins de denrées alimentaires, des territoires peu suffisants, une augmentation expansif de la population européenne va provoquer justement cette recherche des Européens à sortir de leurs frontières, de leur territoire, pour aller chercher en Europe des territoires à conquérir, d'où les guerres qu'il y a eu, les nombreuses guerres fratricides qu'il y a eu en Europe. Et malheureusement, ce mouvement va s'étendre outre l'Europe et toucher des pays comme des continents comme l'Asie, des continents comme l'Océanie, l'Amérique et le continent africain le plus proche de l'Europe. Donc, les autres n'ont pas été épargnés par ce besoin des Européens. Donc, je reviens toujours à l'interrogation géopoliticienne. Qui veut quoi, quand
quel avantage cherche l'autre à disposer en venant chez moi déclencher une crise, un conflit ou une guerre. Il faut toujours s'interroger sur ça. Et donc, au-delà de la forte croissance, passons maintenant toujours de la démarche coloniale des Européens et le lien avec la démographie, la croissance démographique. Quand on se concentre maintenant sur l'Allemagne, la colonisation allemande, on remarque que ce siècle-là, le siècle 1800, en 1829, la Société des Missions du Rhin, étant donné, comme le documentaire l'a montré, la forte croissance en Allemagne de la population allemande, la Société des Missions du Rhin envoie des explorateurs réfugiés en Afrique australe, Namibie actuellement, et ils vont venir, ils vont s'accaparer des terres, organiser des spoliations, monter les peuples entre eux, offrir des armes, des promesses, c'est-à-dire instiguer des conflits et des guerres et prendre des territoires qui appartenaient aux peuples autochtones Herero et Nama. Et en 1883-1884, l'Allemagne va décider de planter son drapeau, le drapeau allemand. Ça, c'est juste avant la conférence de Berlin. L'Allemagne décide de planter son drapeau en Afrique australe sous l'empereur Guillaume I et de déclarer que ce territoire africain appartient désormais à l'Allemagne, est un territoire allemand d'outre-mer et les populations qui s'y trouvent perdent leurs droits parce que l'Allemagne a décidé de s'imposer et de s'installer là-bas. Donc en 1885, comme vous le savez, la conférence de Berlin a eu lieu et la conférence de Berlin vient juste entériner la colonisation de l'Afrique et d'autres territoires en dehors de l'Afrique qui sont également colonisés et pas du tout épargnés par ce mouvement, cette démarche coloniale des Européens. Et donc, après 85, il y aura des spoliations qui vont se multiplier, des humiliations vont se multiplier, des massacres, jusqu'au point de non-retour 1904, où les Herero et les Nama vont décider de se défendre, de se battre. Et l'Allemagne de Guillaume II va décider alors d'envoyer des troupes, des blindés, des chars sur le commandement de Lothar von... en tout cas, le général allemand, son nom m'échappe, Lothar von... voilà, son nom ne revient pas. En tout cas, ce général connu pour ses exactions déjà en Asie, en Chine et ailleurs, va venir en Afrique et organiser le génocide des Herero et des Nama. Et ce sera la première fois, comme l'avait dit Camille en début de conférence, qu'un projet de génocide est formalisé et mis par écrit. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça se passe en Afrique, en Namibie. Pour la première fois, des camps de travail forcé, des camps d'extermination. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. C'est vrai que la Namibie, ce n'est pas Auschwitz. C'est vrai que la Namibie, ce n'est pas Buchendal. Mais c'est en Namibie que le premier génocide de l'histoire de l'humanité a été commis. C'est en Namibie que un des médecins qui ira d'ailleurs continuer à exercer son talent lors du génocide des Juifs en Europe. Ce médecin allemand, un des élèves, en tout cas, de la tragédie du génocide namibien, qui est le docteur Mengele, qui était élève et qui a utilisé les corps des enfants, des femmes, des hommes namibiens pour faire des expériences scientifiques. Tout ce qu'on a pu voir à Auschwitz durant la Shoah, en fait, ça a été déjà expérimenté sur
les Africains sur les Namibiens, bien avant que ça ne soit expérimenté sur les Juifs en Europe. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes oublient ça ou passent outre ça, mais il faut le rappeler que ça a eu lieu et que voilà, c'est malheureusement aujourd'hui on peut parler de certains oublis volontaires, je ne sais pas, mais si on rentre dans le débat, je ne sais pas, Camille, si on peut commencer le débat, est-ce que parle comme quand tu me parles. Merci, je te suis. Voilà. Peut-on parler justement de, je ne sais pas si tu lis la question, oui, peut-on oui. parler justement de solidarité atlantique entre les pays occidentaux dans le refus de reconnaître le caractère génocidaire des crimes durant la colonisation, que ce soit en Namibie, évidemment, c'est la Namibie qui nous intéresse aujourd'hui, mais durant la colonisation ailleurs, en Namibie, au Congo, en Asie, au Vietnam, est-ce qu'on peut parler d'une solidarité atlantique entre les pays occidentaux dans le refus de reconnaître les génocides subis par les uns et d'accepter de reconnaître de l'autre côté les génocides subis par les autres? Et là, je précise, évidemment, ce n'est pas de la surenchère, mais c'est juste que c'est un fait. Le génocide namibien a longtemps été occulté, on a longtemps cherché à le taire, alors que de l'autre côté, un génocide toujours commis par l'Allemagne a été directement reconnu, condamné, il y a eu justice, le tribunal de Nuremberg a eu lieu, comme on peut appeler le procès de Nuremberg comme un tribunal international. C'est vraiment un des premiers exemples de tribunal international pour le génocide des Juifs. Mais de l'autre côté, c'est toujours cette Allemagne qui a refusé pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, qu'un tribunal international soit mis en place pour traiter des crimes à caractère génocidaire qu'ils ont commis en Afrique australe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Naturellement, la réponse est oui, parce que admettre cela, c'est ouvrir en fait la porte à leur propre honte, parce que c'est des crimes qu'ils ont commis de façon collective, c'est-à-dire même si c'était des nations séparées, mais l'idéologie, la volonté d'aller conquérir et d'aller commettre ces atrocités, comme on a vu par la suite, les Allemands ont juste commencé, mais la suite, c'était quoi? Les Belges, etc., tout le monde a fait pareil. Donc, on peut parler de la solidarité atlantique entre eux, bien sûr, parce que leurs intérêts aussi sont collectifs. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils déplacent leurs conflits entre Européens sur des territoires africains. À partir du moment-là, à partir de la conférence des Berlin, ils signent en fait d'avoir la même parole, c'est-à-dire ils signent en fait la légitimité d'aller conquérir, d'aller déshumaniser, d'aller commettre tout ce qu'ils ont commis à partir de l'acte de Berlin, et qui les sécurise aussi et qui explique pourquoi jusque-là nous en sommes encore au niveau de quémander les dites justice ou droits internationaux, sachant que même quand ces institutions-là internationales sont établies, ne sont pas considérés comme tels, c'est-à-dire nous sommes encore dans un paradigme où la domination règne encore, la domination est encore présente. Donc, moi, je pense que la responsabilité nous revient à nous aussi en tant qu'Africains ou concernés de mettre nos propres instances des justices, nous n'en sommes pas incapables, et de pouvoir traiter avec ces gens-là en fonction de notre propre histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en Namibie, par exemple, il y a encore la présence
une grande présence allemande. Une forte présence, oui. Une forte présence. Et même les territoires où ces crimes ont été commis, on voit que c'est un territoire qui appartient encore à un Allemand qui est là. C'est-à-dire les Namibiens eux-mêmes n'ont pas, n'ont pas encore récupéré leur souveraineté totale et n'ont pas un espace de mémoire parce qu'on le prive de... non seulement de reconnaître ces responsabilités-là, mais on les prive aussi d'un lieu de mémoire, d'un lieu de recueillement qui doit appartenir à des générations, qui doit être là présent pour rappeler aussi... Entretenir la mémoire, oui. Entretenir la mémoire, exactement, et rappeler aussi que ce peuple-là sont tombés en brave. Ils ont combattu, ils n'ont pas lâché, ils ont fait front. Ils se sont défendus, mais malheureusement, comme... on n'est pas dans une même philosophie des vies, encore moins une philosophie des guerres, parce que quand on suit le documentaire, on voit très bien que les peuples namibiens épargnent les femmes et les hommes. Et les enfants, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants, exactement, pardon, pour se défendre, pour repousser l'ennemi. Exactement. Mais quand les Allemands envoient des militaires et tout, il n'y a personne qui est épargné. Il n'y a aucune vie qui est épargnée. Ils ordonnent de fusiller femmes et enfants même. Enfin, il y a ce déséquilibre. Moi aussi, également, j'avais noté comme toi ce déséquilibre de traitance de la vie humaine ou du rapport à la guerre, c'est-à-dire où on interdit, ou du côté namibien, on interdit à leurs hommes, à leurs soldats, à leurs femmes de toucher aux enfants blancs et aux femmes blancs. Alors que de l'autre côté, ben, les Allemands ont donné l'ordre de fusiller tout. Toute vie. Homme, enfant, toute forme de vie, sans distinction. Et là, tu vois le décalage dans la considération de la vie humaine qui fait que ce génocide a eu lieu avec ces horreurs-là. Et c'est à ciel ouvert, au vu au sud de tout le monde, sans culpabilité et c'est grave, on est dans des situations où on a les droits, nous, de la même façon que le peuple namibien avait le droit de se défendre, mais nous aussi en tant qu'Africains, on a le droit de s'y poser sur les états d'âme de nos confrères ou de nos frères, parce que c'est nos ça, frères. Ça me ramène justement, ce que tu es en train de dire ramène justement à la deuxième question, je te laisse découvrir. Comprenez-vous quand certains qualifient de victimisation la démarche des Africains qui continuent de réclamer que justice et réparation pour le dommage et traumatisme subis lors de la colonisation? Que justice soit faite et réparation pour les dommages et traumatismes qu'ils ont subis lors de la colonisation. Est-ce que tu comprends ça, toi, que... Parce que beaucoup, évidemment, beaucoup, c'est-à-dire... se cachent ou bien s'empressent de traiter les Africains d'être dans la victimisation dès qu'ils tentent d'évoquer les crimes lors de la colonisation ou du néocolonialisme. On brandit directement la carte de la victimisation, pour empêcher en fait que la justice et les réparations soient réclamées. Et comment tu expliques ça, toi? Est-ce que tu comprends ce moyen de défense? Moi, j'ai, dans un premier temps, je peux répondre, je comprends, oui, dans la mesure où les réactions ou les manifestations sont faites de façon individualisée, de façon séparée. Chaque communauté réclame ou... veut une justice, mais à partir du moment où nous n'avons pas compris, nous en tant qu'Africains, et que notre sort est collectif, et que même s'il faut des réparations, même s'il faut des justices, la justice, ça s'impose au fait, ça ne se demande pas. C'est comme la liberté ou la dignité. On n'a pas à demander aux Européens, aux mêmes personnes qui nous ont déshumanisés, qui nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils ne font pas preuve de bon sens, encore moins de moralité. Nous ne pouvons pas attendre la justice, encore moins les droits de ces gens-là. Je suis désolée. Moi, je pense que la démarche doit
doit être orienté de façon collective pour que nous mettons en place les moyens et tous les moyens nécessaires de propres instances, mais aussi les moyens des pressions, parce que les Européens continuent aujourd'hui d'occuper, d'exploiter l'Afrique. Nos dirigeants n'y font rien. On est là, c'est comme si l'histoire ne nous enseigne pas. On attend juste de voir quelqu'un crier au racisme pour nous rappeler tous ensemble subitement, en fait, comme si c'était des réactions programmées ou planifiées, comme si je puis dire et tout. Mais tant que nous ne nous organisons pas, aujourd'hui, on a des matières premières, on a des ressources dont l'Europe, le monde entier ne peut pas s'en passer. Si nous-mêmes, nous nous organisons, nous pouvons en fait imposer les traités des conciliations ou des réparations historiques en fonction des échanges et non pas attendre de ces gens-là de changer ou de nous ramener une parole de justice ou d'humanité, parce que la preuve encore, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Après, moi, je peux comprendre les autres qui pensent qu'on veut se victimiser. Je ne pense pas qu'on veut se victimiser. C'est parce que ces oppressions-là continuent jusqu'à présent. Nous les vivons encore, mais à des dimensions différentes, que l'on soit dans la diaspora, que l'on soit en Afrique, sur le terrain et tout. La domination coloniale, néocoloniale aujourd'hui est encore présente et visible, que ce soit par la force économique, par la force politique et même la force culturelle, qui va être notre deuxième élément sur l'approche identitaire et tout. C'est-à-dire qu'on est encore dans le paradigme même qui nous oppresse, et il est difficile de demander réparation dans ce même paradigme-là. Nous devons nous-mêmes mettre en place, en fait, une machine, en fait, africaine qui va permettre à l'Africain d'abord de se réparer lui-même, de se réconcilier avec son identité, avec son histoire, de manière à ce qu'ils soient en mesure de se positionner comme des hommes et des femmes et non des éternels esclaves et colonisés, parce que l'esclavage et la colonisation, nous ne sommes pas les premiers à les subir, encore moins les derniers. Les autres peuples, ils ont pu se remettre, faire de ce qu'ils ont été et pouvoir. La Chine, l'Inde, on peut citer comme exemple. Donc, c'est des gens qui, à partir de ce qu'ils avaient, à partir de ce qu'ils ont été, ont su en fait reprendre l'initiative historique. Mais nous, tant qu'on est divisé, tant qu'on ne pense pas l'unité africaine comme notre seul bouclier pour pouvoir, une fois pour toutes, renverser la situation, renverser la donne et reprendre la force en tant que peuple et tout, nous serons toujours là en train de quémander, de manifester. Exactement. Et voilà, dans les 30-50 prochaines années, nos enfants qui naîtront ici dans la diaspora et tout, sortiront encore dans la rue pour pouvoir manifester et demander la dignité. Or, la dignité ne se demande pas. Nous devons nous concentrer d'abord nous-mêmes, après avoir subi tout ce que nous avons subi, faire notre propre justice, reconstruire nos propres identités et par après, voir comment traiter avec les autres. Exactement. Et ben pour clôturer en tout cas mon approche, cette dernière question, peut-on qualifier la posture de certains pays colonialistes d'amnésique ou de négocianisme volontaire? Mais bien sûr. Encore une fois, moi je pense que ils sont conscients. Ils sont dans l'amnésie ou bien ils sont en train de commettre le crime du négationnisme, qui est en soi un crime. Bien sûr, moi je pense que c'est un crime volontaire. Donc c'est pas de l'amnésie. C'est pas de l'amnésie, c'est pas de l'inconscience, c'est encore moins un manque de communication, encore moins un manque de compréhension. Je pense que ces gens-là sont conscients, ils les font en âme et conscience et
il manque juste en fait de d'humanité, de, il manque du bon moi, sens. Pas par rapport aux élites, mais par rapport pour nuancer un peu, pas par rapport, par rapport aux élites, mais par rapport aux populations. Aux populations. J'ai peur après, un peu de, j'ai peur un peu de rentrer un peu dans ton approche, mais j'ai plutôt l'impression que pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles, les populations européennes, en fait, ont été endoctrinées, ont subi un lavage de cerveau, où on les a fait croire que le mal qu'on faisait aux Indiens, aux Aborigènes, aux Africains, c'était légitime, c'était la volonté naturelle de Dieu ou de je ne sais quoi. Et que c'était de leur devoir de fouetter, de forcer, de camps, des travaux forcés, de prendre les ressources parce que eux, ça leur sert à rien parce qu'ils n'ont pas de cerveau, ils ne sont pas intelligents. J'ai l'impression que les populations européennes ont été victimes de leurs élites qui avaient des intérêts économiques et qui ont cherché à cacher ça derrière en fabriquant en fait des théories soi-disant scientifiques, soi-disant des idéologies intellectuelles qui seraient en mesure de justifier que l'Indien est un sauvage et que si on va là-bas, c'est pour son propre bien, ben, jusqu'à l'extermination, c'était toujours pour leur propre bien. J'ai l'impression que les populations étaient comme des enfants qu'on a endoctrinés. Enfin, on le voit un peu... aujourd'hui, avec tous les envies, bien sûr, le terrorisme et tout ça, et des jeunes qui rentrent dans des groupements et se radicalisent et sont endoctrinés et sont convaincus que ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire du terrorisme, que c'est quelque chose de légitime, voire de légal, parce que émanant du divin. Et j'ai l'impression que les populations, enfin, je n'ai pas l'impression, mon intime conviction, les populations occidentales ont été victimes de cet endoctrinement, de ce radicalisme de l'époque. Et ce qui fait qu'en partie, beaucoup ont aujourd'hui du mal à comprendre ce qu'on leur reproche, en fait, et à accepter qu'on leur reproche le sang qui a été versé, les crimes qui ont été commis, parce que pour eux, il y a cette dichotomie entre la réalité et ce qu'on a programmé dans leurs esprits. Tout à fait, parce que tout est question de construction. Hein. C'est-à-dire quand les colons vont en Afrique, s'autoproclament la race supérieure, je pense qu'il y a une politique dans la métropole aussi pour introduire cela aussi dans la conscience populaire, dans la conscience collective, pour que ces gens-là obtiennent aussi les soutiens de leur population, parce que cette époque, c'est la concurrence des nations, les nations s'est créées, les nations s'est constituées, etc. Et c'est là qu'on voit les os humains, on voit la déshumanisation des populations noires, l'exposition des femmes et des hommes africains et tout, c'est justement pour préparer justement ce qui va arriver, ils ont préparé la suite, c'est-à-dire ils ont pris le temps de construire l'identité de deux côtés. La preuve, nous, quand on croise les petits blancs dans la rue, en fait, qui connaissent pas l'Afrique, qui savent pas situer une carte, qui savent pas situer par exemple l'Angola sur une carte et tout, c'est de l'ignorance tout simplement. C'est un manque de connaissances. Mais ça a été aussi construit de façon à ce que de ce côté ici, que les gens ils comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté et vice versa. Mais malheureusement. On ne pouvait pas garder longtemps les gens séparés parce que même pendant les colonisations, les gens sont interdits de se déplacer entre eux pour pouvoir communiquer pour que ce qui se passe dans un point A ne soit pas relayé dans un point B. Donc, c'est des constructions, mais malheureusement, ça ne pouvait pas rester... Ça ne pouvait pas durer, comme on dit. Ça ne pouvait pas durer. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, justement, avec l'ère de l'internationalisation, de la mondialisation, où les gens peuvent se déplacer, où on voit un vague, des vagues, au fait, des étudiants du monde entier qui viennent pour apprendre, qui viennent pour étudier, il y a des croisements de, des idées, des croisements, des lectures d'histoire qui sont différentes, qui fait que les uns se sentent attaqués par d'autres, etc. et tout. Raison pour laquelle, moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, parce que, encore une fois, même si on a là, on veut avoir une volonté de puissance en tant que peuple, on veut s'affirmer en tant que peuple, mais en aucune fois nous avons une volonté d'exterminer les Blancs, on n'a pas une volonté de faire la guerre aux Blancs, encore moins de violer leurs enfants, encore moins de rendre les mâles. Exactement, parce que ce que tu es en train de dire, c'est très important, parce que à plusieurs fois, j'ai eu des échanges et parfois, et très souvent, j'ai eu le sentiment que certains, enfin, en tout cas, une frange de la population pense pense que les Africains ou les colonisés d'ailleurs attendent le jour où ils prendront leur vengeance de la même manière. C'est-à-dire par la barbarie, c'est-à-dire rendre la monnaie de leur pièce. Or, ce n'est pas du tout une conceptualisation ubuntu ou africaine. Africaine, tout à fait. De verser dans ces extrêmes. Parce que chez nous, tout simplement, la vie est sacrée et que l'autre est un don de la vie. L'autre est l'autre moi, c'est-à-dire l'autre ce moi. Mm-hmm. Nous sommes parce que nous existons tous ensemble. Dans cette philosophie-là des vies, moi, je pense que notre démarche à nous aussi, nous réapproprier notre humanité, notre philosophie, et nous pouvons à cette occasion, donner maintenant des leçons, parce que les Européens ont essayé de nous donner des leçons de civilisation et des leçons de morale et tout, mais aujourd'hui, tout, c'est-à-dire, il n'y a rien qui échappe à cette réalité pour prouver encore une fois que c'était que de l'arnaque, c'était que de fausseté et tout, et qu'une vraie philosophie des vies, une vraie civilisation, c'est celle qui place l'homme au centre de tous les intérêts, au centre de toutes les réunions, au centre de toutes les aspirations. Et nous, en tant qu'Africains, nous avons des leçons à donner à nos frères et sœurs européens qui nous entourent, qui suivent aussi nos activités, qui veulent aussi, il y en a beaucoup aussi, qui contribuent aussi à la résistance ou à la lutte, même pendant les différents génocides et tout. Il y a des citoyens européens qui se sont levés, exactement, et tout. C'est pour ça que j'ai dit, d'où l'importance du fait que beaucoup ont été plongés volontairement dans l'ignorance de ce qui se passait de l'autre côté. Comme tu avais expliqué, on empêchait les gens d'être au courant de ce qui se passait. Et comme tu dis, beaucoup se sont levés quand ils ont réalisé et compris la tragédie qui était en train de se passer. Et ça, c'est important de le souligner et de ne pas mettre tout le monde quand on parle de crimes de la colonisation, on cible bien les élites. Les élites, parce que c'est tout un système, c'est un système qui est construit pour une bonne volonté, pour une volonté qui est d'exploiter tout simplement les hommes. Malheureusement, pour des intérêts purement économiques et des ressources. Malheureusement, nous, aujourd'hui, nous prenons part à ces systèmes-là parce que nous manquons des reculs, que ce soit dans notre intellect, dans notre émotion, dans notre esprit, pour comprendre que la réalité dans laquelle nous nous trouvons, c'est une réalité qui est biaisée, c'est une réalité qui est faussée dès le départ et que la démarche de la décolonisation et de la déconstruction des piliers de politiques coloniaux sont importants pour que nous nous réalisons en tant que de peuple et que nous soyons en mesure de prendre exemple
à nos frères de l'humanité qui, eux aussi, ont vécu les mêmes atrocités que nous, même s'ils n'ont pas la même matière première. Mais nous sommes des hommes, nous sommes tous faits par la même conscience suprême qui habite dans chacun de nous. Exactement. Nous sommes tous faits de la même façon, de la même matière, de la même façon qu'il y a les animaux qui ont leur nature profonde, de la même manière qu'il y a les arbres qui ont leur nature profonde en tant que végétaux, oui. Végétaux qui sont créés, qui sont faits dans leur complétude en tant qu'être végétal ou être minéral et tout. Être nous aussi, en tant qu'être, nous sommes des êtres faits par nature, par, de façon complète, par notre complétude. Donc, c'est à nous, en fait, aussi de nous positionner de cette façon-là en tant que des hommes plein et complet, même si nous avons subi des choses, même si nous avons, nous continuons à subir des choses, mais par le simple fait que nous avons les mêmes capacités que le monde entier, que tous les êtres humains, de nous organiser, de pouvoir communiquer, de pouvoir nous aimer, de pouvoir nous asseoir ensemble et de voir ce qui est notre intérêt collectif sans lequel nous continuerons en fait à vivre de pires atrocités. Aujourd'hui, il est question de parler du génocide de Namibie, qui n'est que le premier génocide, mais à partir de ces génocides-là, l'Afrique en a connu plusieurs autres. Vous vous imaginez un génocide, le premier génocide en 1904. Aujourd'hui, on est en 2021. Il y a encore des génocides qui continuent. Il y a encore des atrocités qui sévissent sur le sol africain. Ce qui veut dire que nous n'apprenons pas de l'histoire, nous n'apprenons pas de nous-mêmes. On ne tire pas des leçons. Et qu'il est inutile de se faire la guerre entre Africains et tout. Et que notre ennemi, depuis les temps, il est le même, c'est l'impérialisme, c'est les colons, c'est l'Occident, l'Occident en tant que système qui continue aujourd'hui à terroriser tout le gouvernement du monde. Donc la responsabilité nous revient aussi à répondre à notre initiative historique et notre sens de Kimuntu, qui est la philosophie française du Sud-Afrique. En tout cas, moi, j'ai fini en tout cas mon approche géopolitique. Bon, je terminerai avec cette phrase, le titre d'un livre qui dit que tout empire périra, c'est-à-dire le colonialisme a survécu un temps parce qu'elle a réussi à se fabriquer des fausses idéologies de supériorité de race et à cacher des crimes qui se commettaient à la population, à l'opinion internationale. Mais le colonialisme, en tout cas, s'est affaibli ou a pris fin. L'empire colonial dans le monde a pris fin parce que, justement, leurs œuvres ont été mises à nu, à découvert. De la même manière, le néocolonialisme prendra fin quand une grande majorité, nous mettrons en lumière leurs œuvres. Pas seulement d'Africains, mais une grande majorité des citoyens du monde prendront conscience qu'on est passé de l'esclavagisme, les crimes de l'esclavagisme qui a évolué vers ou qui s'est camouflé vers l'évangile de la colonisation qui, quand on s'est réveillé, on a réalisé en fait que c'était également un crime, la colonisation. On a évolué actuellement dans le néocolonialisme ou l'impérialisme. Et quand on réalisera ça, enfin. Et surtout, Nancy, ce que je voudrais préciser par rapport à ce que tu viens de dire aussi, c'est-à-dire la colonisation devient un crime parce que nous avons attendu à ce que cela soit reconnu comme un crime. Mais nous, dans notre manière à nous, de concevoir cela, de prendre cela, on ne les vit pas comme un crime, encore une fois, parce qu'il n'y a pas, en fait, une lecture commune, hein, et unique, en fait, des Africains sur ce que nous avons subi
tous ensemble de manière à ce que nous traitons avec les autres en fonction de l'histoire et non pas en fonction de la sensibilité des uns et des autres, parce que les uns ils vont accepter que c'est une, c'était des crimes, d'autres non. Mais c'est nous, en fait, nous les concernés, nous qui avons subi, c'est à nous de déterminer et de définir ce que nous avons subi, ce que nous continuons à subir. C'est la victime de comment dire, c'est la victime qui est à même capable de décrire les traumatismes qu'elle a subis, et non, entre guillemets, à son bourreau de qualifier ou ouais. Non, que ce n'est pas un traumatisme, que ce n'est pas un crime, que ce n'est pas si grave. On pense que le bourreau n'est pas du tout qualifié pour pouvoir... Ouais, même en droit, on ne peut pas être à la fois juge parti, c'est-à-dire que l'Occident, les Européens ne peuvent pas juger... être les accusés et en même temps... Être les accusés, alors, en même temps être les juges aussi de la colonisation. Ouais. Et c'est malheureusement dans comme tu disais, dans ce paradigme que l'Africain se perd et continue à patauger parce que elle attend de la partie, enfin en tout cas de l'accusé de jouer le rôle du juge pour son propre procès. Son propre procès. Et ça, on peut attendre éternellement, ça n'aura jamais lieu que l'accusé. C'est comme le procès de l'assassin de George Floyd. Derek Chauvin aux États-Unis, il ne peut pas être juge de son propre procès et en même temps être assis à la barre de le banc des accusés. Ouais. Le banc des accusés. Merci. Voilà, moi j'en ai terminé avec mon approche. À toi le micro. Alors sur l'approche identitaire, je vais pas être longue, mais l'idée, ce qui serait plus intéressant, c'est que nous ayons le temps de discuter sur cette question-là en profondeur, si les gens sont connectés, si les gens nous suivent, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions. Il y en a qui suivent à partir de Facebook. Oui, parce que c'est des questions d'actualité qui nous concernent encore jusqu'à nos jours. Alors, déjà, les causes principales de la colonisation, c'est purement des raisons économiques. L'Europe est à la recherche, à la conquête de ressources. C'est l'Europe qui vit dans des territoires vides, hein, sans richesse. Hein. C'est des territoires, on aurait dit que Dieu n'avait pas pensé à eux. Voilà. Ils retrouvent les territoires africains et l'Afrique devient la casserole, la marmite ou, comment dirais-je, la terre promise des Européens par Dieu pour pouvoir aller dominer, conquérir librement au nom du Dieu de la Bible. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Et il y a aussi la démarche entre Européens de exister en tant que nation, donc la conquête des territoires devient en ce moment-là en fait urgente, parce que même ce qui introduit la conférence de Berlin, c'est justement pour calmer un peu le jeu entre les Européens, parce que entre eux déjà, ils sont dans des guerres interminables, des conquêtes de terres, de domination, chacun veut exister. Et surtout, la vision de l'Allemagne à cette époque-là, c'est exister en tant qu'une race à part entière, ce qui va conduire au génocide de Namibiens, mais aussi toutes les atrocités qui vont se suivre sous la responsabilité de l'Allemagne. Alors, l'identité, moi j'ai noté, c'est un caractère fondamental et permanent qui permet d'identifier une personne, un objet, d'identifier un groupe humain, d'identifier un objet et surtout, ça permet aussi la compréhension du monde, de la chose et les dominations coloniales pour fonctionnaient ou pour mettre en place leur politique, ils ont dû s'appuyer sur des piliers. Dans un premier temps, il y avait le pilier politique, la domination politique ou
la gestion des cités, la gestion de la vie publique est faite en fait de la manière, de la vision du métropole et non de la vision en fait de gens qui y vivent et des autochtones. Et comme deuxième pilier, on a l'administration, on a les capitalismes, hein, c'est-à-dire l'ouverture du marché mondial, on a le produit du monde entier qui arrive en Afrique, qui circule et tout. L'Afrique est exploitée, mais il n'y a rien qui se transforme sur le sol africain et qui profite aussi aux Africains. Il y a l'ouverture à l'économie internationale, c'est-à-dire l'entrée des autres monnaies qui arrivent, etc. et tout, ce qui fait qu'économiquement, en fait, on est déjà mis de côté dès lors que les politiques coloniales vont commencer. Et le troisième pilier qui va permettre les pilules des dominations coloniales pour que ça passe de façon facile et crème, comme on dit, c'est la religion. Comme on a vu au départ, au tout début lors du documentaire, ces frères Namibiens qui disaient au départ: nous avions la terre, vous avez la Bible, et maintenant vous avez la terre, nous avons la Bible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la religion ou par l'arrivée de la Bible, il y a une volonté en fait de supprimer ce qu'est l'identité en fait des autochtones, c'est permettre en fait d'établir un nouvel ordre, c'est-à-dire un nouveau paradigme qui va conduire les colonies jusqu'à nos jours. Donc, un instant. Alors, comme conséquence, on a en fait des identités qui n'existent plus, c'est-à-dire des identités africaines qui n'existent plus, parce que pour comprendre, les politiques coloniales ont mis en place des écoles, ont mis en place des centres, ont mis en place des biens en fait pour susciter le besoin, pour susciter la demande, mais qu'en échange, introduire une pensée du monde, une vision du monde qui n'est pas notre, qui n'est pas propre, qui n'est pas propre à ces populations-là. Et par l'école coloniale, on a les histoires de la métropole qui sont enseignées, on a les lois du métropole qui sont enseignées, on a les droits du métropole qui sont appliqués. Or, les droits qui fondent une nation, quand on parle de la loi comme l'ensemble des us et coutumes, c'est-à-dire qu'on part de principes, on part des coutumes en fait d'un peuple en fonction d'un territoire, d'un autre, pour pouvoir régler les conflits. Mais là, on voit, c'est des lois, c'est des réflexions, c'est des lois, en fait, qui n'ont rien à voir avec les Africains, encore moins leur réalité, mais qui sont appliquées pour résoudre les conflits. On a les noms africains qui se perdent, on prend des noms des ancêtres européens parce qu'on s'est fait baptiser. On voit en fait une coupure en fait entre l'Afrique d'avant et l'Afrique d'après, parce qu'on devient en fait de peuples qui sont sans culture, qui sont sans vision. On vit par procuration, on vit pour les autres et qui eux en fait de l'autre côté c'est prétendre élever leur race, prétendent être supérieures et ont le droit, ces droits-là, en fait, d'enseigner les autres comment vivre, comment fonctionner, comment s'organiser, comment penser. Et sur la question identitaire, c'est une mort cérébrale, c'est-à-dire on ne peut pas vivre avec des corps africains, avec des esprits européens. On ne peut pas, ça ne fonctionne pas. La preuve
nous en sommes encore là, on parlait, on discutait, parce que le travail de la décolonisation n'a pas été fait. J'ai lu un livre, le livre que j'ai conseillé à ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre plus tard et tout, c'est un livre écrit par un Congolais en 65, qui est la remise en question, la base de la décolonisation mentale. C'est-à-dire, à partir du moment où nous ne sommes pas en mesure de nous remettre en question, de remettre en question toutes les informations, toutes les formations, toute l'éducation reçue, que ce soit religieuse, politique, économique, culturelle, à partir du moment où nous, les concernés, on ne fait pas cette démarche-là de remettre cela en question, d'utiliser notre intelligentsia, nous sommes encore loin, parce que la crise identitaire que nous vivons aujourd'hui, c'est juste une incapacité collective à pouvoir utiliser notre intellect, notre cerveau, pouvoir penser, pouvoir réfléchir sur la réalité qui nous entoure. Les missionnaires, les missions des églises catholiques pendant les colonisations, c'est justement nous sortir de notre paradigme, de notre manière à nous, de nous identifier, de nous concevoir, de comment vivre entre nous. C'est-à-dire, il y a tout qui est déconstruit, il y a tout qui est déplacé, il y a déstructuré. On voit que les fondements, en fait, sont touchés, parce que cela s'est fait par la force, cela s'est fait par la contrainte. On est obligé, et on voit aussi l'arrivée des épidémies, de maladies, qui fait que la médecine occidentale devient, en fait, salutaire. On en a besoin, sinon on meurt. On voit l'école qui est obligée, mais avant, pour prendre part à l'école, pour prendre part à la formation, il faut d'abord se christianiser, il faut d'abord se baptiser. Or, dans nos traditions à nous, les noms que nous portons ont des significations, donnent du sens et nous permettent de mieux expérimenter la vie, parce que le nom que je porte, c'est le nom, en fait, qui me permet de m'initier dans ma mission en tant qu'être humain. Alors, nous, on va subir, en fait, une christianisation, en fait, qui nous débaptise nous-mêmes d'abord de notre esprit africain pour adopter d'autres esprits, esprits européens, esprits qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne se fondent pas sur les mêmes valeurs, où on voit très bien dans le livre où la représentation d'un Dieu qui peut punir, qui peut tuer, qui permet les adultères, qui permet toutes sortes d'atrocités pour faire prévaloir son peuple, qui est le peuple élu et tout. Donc, on voit très bien que les Africains que nous sommes, nous avons subi un balayage, un lavage de cerveau. Mais la question que moi, que je me pose en même temps et tout, mais c'est: qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons subi? Parce que moi qui vous parle, je suis née et grandie en Afrique, j'ai été baptisée comme tout bon Africain et surtout comme toute bonne Congolaise, tout bon Congolais, toute personne qui grandit à Kinshasa, automatiquement doit se faire baptiser, parce que ça fait partie de la culture. C'est-à-dire, nous vivons la culturation des manières atroce, inexplicable, parce que c'est imprégné à nous. C'est-à-dire, à un certain âge, quand on a à partir de 11, 12 ans et tout, on commence déjà à se poser des questions. Il faut se baptiser, il faut se racheter, il faut. Et ça nous ramène à un certain moment à vouloir nous blanchir la peau, parce que si le Dieu que nous prions, les anges, ils sont tous blancs, ils sont tous saints, et que nous sommes de pécheurs, il faut racheter les temps, il faut. On cherche maintenant à ressembler à l'autre, on veut parler comme l'autre.
on veut penser comme l'autre, on oublie qui nous sommes, on oublie qui nous avons été, et malheureusement, de cette façon, nous n'allons pas nous en sortir. De la même manière que les animaux respectent leur animalité, leur nature profonde, on ne peut pas trouver une tomate avec les caractéristiques du piment à l'intérieur. De la même façon, on ne peut pas attendre d'un lion d'avoir les ailes pour pouvoir voler. Bien que nous sommes tous humains, nous sommes tous faits de la même conscience suprême, mais notre identité culturelle, notre identité traditionnelle et ce qui nous différencie des uns des autres, et c'est ce qui nous différencie des Français, des Portugais, des Brésiliens. Et si nous n'avons pas cette identité-là, si nous n'arrivons pas à reconstruire ces identités-là, nous ne vivons pas. Nous sommes là pour accompagner les autres et accompagner leur vision du monde. Nous sommes là pour aider les autres à grandir leur vision. La preuve, il n'y a plus de missionnaires sur les territoires africains. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes entre Africains, on se christianise, on fait des campagnes pour perpétuer en fait une œuvre dont on n'a même pas conscience. On n'a pas conscience des conséquences sur notre humanité, sur notre sens à nous et qui nous tout. Ce qui fait la différence entre une chose, parce que la chose, elle ne pense pas. La chose ne sait pas qu'elle existe. Mais nous qui sommes les Bantous, les Kimontous, notre sens, notre humanité, notre humanisme, hein, c'est à partir du moment où nous sommes capables de penser, de réfléchir, de nous questionner, de questionner l'autre, questionner notre environnement. Mais les politiques coloniales et du néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui nous empêchent de questionner le monde dans lequel nous sommes. Les mondes qui nous entourent nous empêchent en fait de nous interroger sur les vraies réalités, nos vrais enjeux, parce que nous sommes là pour expérimenter la vie. Nous ne sommes pas là pour racheter un péché que nos ancêtres auraient commis. J'ai dit que l'histoire de la Bible ne nous concerne pas en tant qu'Africains. Vous avez le droit d'être musulman, vous avez le droit d'être chrétien, c'est votre liberté à nous. Mais si nous sommes tous touchés par l'urgence humanitaire, si nous sommes touchés par les questions qui touchent les dignités humaines, les questions des libertés, le droit qu'a un peuple de s'identifier ou de s'organiser librement de façon pleinement souveraine, nous autres Africains, nous avons ces droits-là et c'est à nous, encore une fois, de prendre cette responsabilité-là et non pas attendre que les colons viennent déconstruire eux-mêmes ce qui les a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qui leur permet encore de revenir en Afrique avec des discours, des aides au développement, aide à l'émancipation, les droits de l'homme. C'est-à-dire, moi, j'aimais tout, hein, les organisations, les institutions internationales et surtout qui sont tenues, soutenues par le même genre qui nous ont causé du tort. Toutes ces organisations, toutes ces dynamiques-là, c'est pour nous empêcher d'utiliser nos cerveaux et tout. Le chat est là justement pour sensibiliser sur l'intelligence africaine. Et qui dit intelligence africaine, c'est de pouvoir penser dans sa langue, c'est de pouvoir s'exprimer dans sa langue, parce que c'est des langues qui naissent les cultures et c'est des cultures qui naissent les traditions et valeurs. Toutes les questions qui permettent les gens de s'organiser. Et c'est de là que naît le paradigme, c'est-à-dire la vision commune qui a permis à tout le monde de prendre part. Et nous autres, nous devrions, nous sommes de toute façon obligés, et même si cet appel, en fait, tout le monde ne l'entend pas, nous espérons au moins que vos esprits à vous, Africains, ou qui se trouvent enchaînés
ou aliénés et tout, parviennent à entendre cet appel parce que nous autres, c'est les ancêtres en qui nous croyons, qui parlent à travers nous, parce que nous ne commençons pas l'histoire de l'Afrique. Nous ne sommes que la continuité d'une histoire et nous nous sommes inspirés et nous continuons de nous inspirer de ce qu'a été nos anciens hier et pour pouvoir reprendre l'initiative historique, d'insister aujourd'hui, d'en parler aujourd'hui parce que si les hommes, les femmes, les enfants africains continue à être exploité aujourd'hui, continue à être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que nous avons abandonné nos esprits. On ne peut pas se dire léopard Congo, parce que je prends l'exemple de peuple congolais, parce que le mot Congo, c'est le Ngo, c'est le léopard qui signifie la force. On ne peut pas être congolais et prendre le Belge pour son oncle, je suis désolée. C'est quoi cette affaire d'appeler les Belges ou les Noko? D'où? Est-ce que le Belge est l'ami de ta mère ou le frère de ta mère? Non, ce n'est pas les frères de ta mère. Si le Belge était le frère de ta mère, il n'aurait pas exposé ta mère dans les eaux humaines en Belgique. Ils ne nous auraient pas colonisés, ils ne nous auraient pas fait ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils contribuent aussi à déstabiliser les politiques africaines, les politiques congolaises. On l'a vu à maintes reprises, quand les Africains ont des conflits lors des questions électoraux et tout. Que font-ils? Ils voyagent vers l'Occident. C'est vers eux qui vont tirer en fait la légitimité de leur pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un problème, on a un problème identitaire et qu'on ne peut pas continuer de penser, de fonctionner comme ils veulent. On ne peut pas être de produits réussis de la colonisation. Nous devrons manifester notre africanité pour que les colons comprennent que son projet a échoué. On ne peut pas continuer génération par génération de perpétuer l'œuvre de la colonisation et l'œuvre civilisatrice. Soit on se met tous d'accord, ok, les Blancs sont supérieurs à nous, ok, maintenant que l'on soit chrétien, que l'on meure, que l'on soit exploité, ça ne nous concerne pas, nous attendons le royaume des cieux. Très bien, soit nous continuons de cette façon-là, soit nous prenons la décision de nous constituer en être humain, en bantou. Ça veut dire que nous devons rechercher les connaissances, nous devons chercher le savoir, comprendre la géopolitique, comprendre les sciences, que ce soit l'astronomie, que ce soit la chimie. Nous devons aller à la conquête des connaissances pour que nous soyons en mesure, en fait, de nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, si l'Occident décide de reconquérir l'Afrique ou de nous faire la guerre, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous n'avons rien pour nous préparer, nous n'avons rien pour nous défendre. Et on va crier dans leur langue, ils vont comprendre. C'est-à-dire, à un certain moment, on doit arrêter. Soyons sérieux. Si on veut qu'on nous respecte, si on veut que la vie des Noirs compte, comme les slogans Black Lives Matter, si on veut cela, ça doit commencer par nous-mêmes. On doit se respecter nous-mêmes. Pour te respecter toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu y es un léopard avec un esprit d'oiseau, avec un esprit de poussin, où tu es un léopard et que tu incarnes aussi la force du léopard, c'est-à-dire tu incarnes aussi ton identité culturelle, tu incarnes aussi ton identité authentique, parce que ce soit les blancs, les noirs, les jaunes, le vert, nous tous ici sur Terre, nous sommes là pour expérimenter la vie.
Nous sommes là, nous avons été créés pour manifester la vie, manifester l'amour, vivre, se marier, faire des enfants. Et personne n'a le droit sur les autres. Et personne n'a le droit de nous priver de vivre en paix, d'expérimenter dignement et tranquillement la vie. Cela traîne, cela dure depuis très longtemps, mais l'Afrique n'a jamais baisser les bras, l'Afrique a toujours résisté, l'Afrique continue de résister, mais seulement la meilleure façon de résister est de continuer les travaux de nos anciens, puisque les travaux sont là, les exemples sont là, c'est-à-dire tout a été pensé, il suffit juste qu'on s'organise. On a tous les éléments pour pouvoir reprendre contrôle, reprendre notre dignité et exister comme des peuples. À nous de prendre cela et d'agir en conséquence. Voilà ce que moi je pouvais apporter sur l'approche identitaire. Sur l'approche identitaire, les Occidentaux, les Blancs, les Européens, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils n'ont rien de plus que nous. D'ailleurs, quand on regarde, malgré la crise, malgré ce que nous avons subi, le génie africain est toujours d'actualité, l'intelligence africaine est toujours d'actualité, la culture africaine, que ce soit nos danses, la musique, les œuvres d'art, que ce soit nos pensées, tout ça est présent. Mais si nous ne nous coordonnons pas vers une même synergie, une même dynamique pour créer cette fois-ci des vrais boucliers par l'unité et par la force culturelle et tout, nous nous en sortirons pas. En tout cas, non, j'ai été vraiment édifiée. Merci beaucoup pour cette approche. C'était vraiment plein de profondeur dans chaque aspect que tu as souligné. Je voulais rebondir, mais à chaque fois, tu as développé en fait le fond de mes pensées à chaque étape. Donc, pour moi, j'ai été vraiment instruite par ton approche ce soir. Et un grand merci à toi. Merci à malheureusement on approche des 2 heures de conférence rien qu'à nous deux on a tenu ça, donc bravo à nous, c'est un bel exploit. Et je vois que d'autres sont connectés sur Facebook et d'autres suivront évidemment la conférence en rediffusion. Et je te remercie, je nous remercie, je remercie le Chad. On revient dans 2 semaines pour parler cette fois-ci toujours d'un génocide, malheureusement. Hein, c'est le cœur même de la colonisation. Les crimes et les génocides, malheureusement, on ne peut pas faire sans. Donc, on revient la semaine prochaine. Et comme on suit une ligne temporelle, en fait, c'est pour ça qu'on reste un peu dans cette logique-là. On vient avec les crimes durant le règne de Léopold II au Congo, avec le grand boom du caoutchouc qui a eu lieu au début des années 1903-1905. En même temps, la même époque, ouais. La même période avec le génocide namibien. Mm-hmm. Comme quoi, la question humanitaire, elle n'est pas la même. On ne pose pas l'humain de la même façon entre nos amis et frères occidentaux. Excuse-moi Camille, je n'ai pas bien saisi. Je crois que j'ai eu un bug avec... Non, c'était pour te compléter, comme tu disais, avec les génocides sous le pôle Dieu, ça s'est passé le même période, dans le même contexte. C'est pour dire que raison pour laquelle, en fait, la question de l'humanité, elle n'est pas étudiée ou elle n'est pas basée sur une même lecture selon que l'on est de l'Occident ou de l'Afrique. Il y a vraiment des grosses différences. Donc, on revient dans 2 semaines, le 26, avec le génocide
enfin le génocide, en tout cas les crimes du régime sous Léopold II au Congo. Et on aura un invité spécial qui va nous aider à analyser ça. Avant de clôturer, je voulais quand même rappeler que qu'aujourd'hui c'est la 27e année qu'il y a eu la tragédie en 1994, la tragédie du génocide rwandais. Donc nos frères rwandais sont morts, ont été massacrés, mutilés, sacrifiés. Nos frères rwandais, Hutu comme Tutsi, les deux ethnies ont été, on les a montés les uns contre les autres. On a empoisonné leurs esprits, on les a manipulés, on les a poussés à s'entretuer. Il faut le préciser, ce n'est pas une ethnie qui a été uniquement victime de l'an, mais ce sont deux ethnies qui ont subi de lourdes pertes en vie humaine, une tragédie. Il faut rappeler que près de 900 000 personnes ont trouvé la mort en 94, mais le génocide de 94 n'est que le zénith, en tout cas le sommet de l'iceberg des massacres et des conflits et des guerres qui avaient déjà débuté qui avait débuté avec la milice et les rebelles Tutsi qui se sont organisés à partir de l'Ouganda et du Zaïre pour être l'élément déclencheur, le FPR. Et de 89 à 94, il y a eu cette médiatisation à cause de l'ampleur des massacres qui humainement ne sont pas tolérables. Et malheureusement, le génocide rwandais s'est prolongé et se prolonge actuellement à l'est de la RDC, parce que ça fait depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais continuent de subir une extension de ce conflit-là jusqu'à chez eux et se voient subir... être pris en étau, être pris au piège par ce conflit-là et massacré, mutilé, violé. Et donc, rappelons-le, c'est important, le génocide rwandais est une des tragédies du 21e siècle les plus importantes qui touchent notre région. Et Hutu comme Tutsi ont trouvé la mort, des centaines de millions. Près de 250 000 Tutsi ont trouvé la mort et un peu plus de 600 000 Hutu également ont trouvé la mort. Donc voilà, je voulais clôturer par ce rappel-là du 27e date de commémoration, je ne vais pas dire anniversaire, mais date de commémoration du génocide au Rwanda, des Rwandais, Hutu et Tutsi. À bientôt pour la prochaine conférence du Tchad. Merci Camille pour ta brillante présentation. À bientôt, ma belle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.